Salut Jabonnet, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc oui, l'intro, je suis dans une voiture, il fait pas très clair. Je vais vous expliquer pourquoi, il est 5h30 du matin à peu près. Le jour commence à peine à se lever ici et je vais chercher Zuzuka, donc un autre géocacheur français qui est ici avec moi pour le Giga. Il part après demain et on s'est dit que ce pourrait être bien qu'il puisse avec moi faire le Donuts Tour. Donc le Donuts Tour, le Donuts Trail, c'est vous avez deux passeports à imprimer. Et dans ces passeports, il faut récupérer dans des boîtes, donc c'est tout un circuit, des mots secrets. Et ça, c'est pour obtenir votre géocoin. On obtient vraiment un géocoin. Et pour avoir un t-shirt, vous devez avoir des tampons. Donc c'est des tampons qu'on récupère justement dans les donut shops. Et moi, je trouve que l'occasion est parfaite puisqu'il est 5h30 du matin, j'ai pas petit déjeuner. Donc pourquoi pas un petit donut chaud avec des crumpies de pommes et un petit café. On y va. Ah bah oui. Donc la première cage du Donut Tour, by Zuzuka. Donc on vient de faire la première cage, donc Zuzuka est en train de la remettre en place au poteau. Il faut savoir que j'ai demandé à la personne à l'intérieur combien de personnes elle avait eu pour l'instant en fait pour le GeoTrail. Et elle me disait qu'elle a reçu plus de 2500 personnes juste pour cette semaine. Ça en fait du Donut. Et oui, donc il est possible qu'on tombe sur des boutiques fermées pendant le voyage. Et malheureusement, je crois que il y a une fête nationale, le Memorial Day, qui fait que ça fait deux jours en fait où les boutiques vont être fermées. Donc ça va être sans doute compliqué d'avoir tous les tampons. Alors moi j'ai aperçu la cache, Zuzuka la cherche encore. Est-ce que vous la voyez? Vous nous direz dans les commentaires si vous l'avez trouvée avant Zuzuka. Ah oh là oh. Là on la voit tous. Vous avez vu cette fresque magnifique que je vous ai mis, elle est vraiment 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 magnifique et elle a une teneur toute particulière pour moi puisque je viens de fêter mes 1000 caches sur cette cache. Et pour fêter ça, j'ai décidé de goûter un donut, forcément, mais je vous avoue que je suis un peu réticent, c'est un donut au bacon, donc on va tester ça. Mais pourquoi? Non. Non, les 1000 cages, j'approuve, mais là, le donut au bacon, j'approuve pas. Thank you.
nous arrivons à la fin de ce géotrail. Donc là, derrière moi, Dominique est en train d'écrire son adresse sur le papier. Moi, j'ai fait de même. La dernière cache à faire est juste devant l'office, là où il y a un gros tas de géocacheurs. Il y en a qui sortent là, vous voyez, de l'office avec le t-shirt, le geocoin, etc. Et on va en faire de même. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. On va vous montrer en dernier l'image du t-shirt et du geocoin, etc. Je ne vous ai pas tout montré, forcément, on ne peut pas tout vous dévoiler, vu que c'est quand même un trail qui est encore en cours. Et ce serait dommage de spoiler la réponse pour tous les autres. Voilà, voilà. Je vous dis à très vite, les abonnés. Ciao, ciao.